Bonjour, rien à voir avec le hockey sur glace, pas de palais et pas de charge non plus. Reportage aujourd'hui au sein du Pars Pays d'Ancenis Roller Skating, club de rink hockey, et créé il y a maintenant une quinzaine d'années par un ancien international français. Le club compte une quarantaine de licenciés aujourd'hui. Alors on a une section vraiment débutant qu'on appelle moustiques, ce sont des enfants de 6 à 9, 10 ans pour leur première année de patinage. Et ensuite, on a une équipe U11, donc qui joue dans un vrai championnat. Et ensuite, on a deux équipes seniors, une Nationale 3 et une Nationale 4. On confond souvent avec le RIL, qui est un sport qui est plus issu du hockey sur glace. Nous, nos joueurs ont peu de protection, pas de casque. On joue avec une crosse beaucoup plus courte, on joue avec une balle. Et il n'y a pas de mise en échec contre les rambardes, des grosses bousculades. Ça n'existe pas chez nous. C'est interdit. C'est un sport très complet, puisqu'il demande de l'habilité avec les mains, puisqu'on joue avec la crosse, vision de jeu. Puisqu'on joue 4 contre 4 plus un gardien, ça c'est un sport qui va très très vite collectivement, et en plus savoir patiner, donc de l'équilibre. Oui, on a la chance d'avoir un sport qui est mixte tout niveau, tout âge. Alors en senior, il y a une petite limite, jusqu'au niveau national 3 où on accepte des jeunes filles, mais autrement, il y a tout niveau, mixité, tout niveau, tout âge. Aucun souci de ce côté-là. Violence dans notre sport, on n'a pas le droit d'avoir de contact. Et ce qui change aussi, c'est que c'est une balle au lieu d'un palais. Et l'équipement est diversifié aussi par rapport au hockey sur glace traditionnel. C'est beaucoup moins dangereux alors ? Beaucoup moins dangereux, beaucoup plus agréable. Les parents nous font plus confiance du coup et ont tendance à plus mettre leurs enfants à faire du rink hockey. On a mis en place une journée invite ton copain. Donc chaque adhérent du club invite un copain à venir faire une journée pour essayer. Mais aussi, on peut venir de soi-même essayer à faire du rink hockey. Alors c'est en fin d'année, c'est au mois de juin, à la fin de la saison. Plus de renseignements, bien sûr, sur le site internet du PARS. Et sachez que la France se classe au 6e rang mondial de la discipline.